Et là, il est sauvé par Boutreau. Okocha. Là, il, est il rentre dans la surface de réparation. Okocha, il va centrer fort devant le but, la chouette. Et but! Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. But inscrit par Yann Lachler, passe décisive de JJ Okocha. Ah oui, tiré une passe décisive. Mais avant de faire la passe décisive, il nous a fait son fameux passement de jambe. Celui qu'on n'avait pas vu l'autre jour contre Maccabi Haïfa. Là, il est dangereux, JJ Okocha, parce qu'il va vers le défenseur. Et là, ça passe. La roulette du pied droit. Et le centre entrée, c'est toujours mortel, un centre entrée. Et c'est bien parce que son JJ Okocha qui était en plein doute, c'est lui qui offre ce ballon à Yann Lachler, qui n'avait pas joué contre Haïfa et qui rentrait ce soir. Deux recrues du Paris Saint-Germain qui sont dans le coup de ce premier but. En tous les cas, c'est bien parce que Paris Saint-Germain, qui a des doutes, fait le match. Chérie. Oui, Laurent. Oui, je suis en compagnie de Laurent Leroy. Laurent Leroy, je suppose qu'au niveau du scénario, ça devait être, c'est le plus parfait. Je propose un dernier ralenti. Le but de Lachler avec l'action de JJ Okocha. Et ça, c'était du spectacle, hein, Thierry. Ouais, ça, c'était du spectacle. Et 68... Non, je n'ai pas tremblé, je ne suis pas posé de questions. Je ne suis pas un joueur à tempérament de me poser des questions. C'est vrai qu'on traverse une période difficile. Mais bon, c'est pas en baissant la tête que ça va s'arranger. Donc, on essaye de relever la tête et de prouver qu'on n'est pas à notre place. En tous les cas, quand Okocha flambe, vous flambez aussi. C'est sûr que c'est un super joueur. Il a une importance énorme dans notre système de jeu. Donc, quand il est moins...